Eh bien bonjour à tous, c'est la clinique et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Wind Waker Randomizer, la partie 28 quand même, mine de rien, ça commence à faire. Bon, eh bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant d'être coincé? Eh bien on va voir ça. Voilà, ici on va aller voir dans notre sac à clé. Et là, on a obtenu une clé pour le temple de la Terre. Le temple de la Terre, c'est ça, hein? Donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire quelque chose. Attendez. Et là, on avait une carte au trésor aussi. C'était la 22. Voilà. 22. Bon, il y avait deux carrés. Alors, on va essayer de trouver ces deux carrés. Sur la map. Bon, c'est de plus en plus facile parce que c'est là où il n'y a pas le cercle rouge comme d'habitude. Ah, il en reste quand même pas mal. Ah zut, je me suis trompé. Ah, bah c'est là, c'est tout en bas. Allez, c'est tout en bas. Ah, si en même temps je pouvais trouver un moyen de... Parce que je vois qu'il y a un arbre en haut. Ah, si en même temps ça peut me permettre de faire ce que je pouvais pas faire avant. Ah mince, je suis même pas sur le grappin. Enfin, le grappin griffe. Oh là là, il y a des requins qui me guettent là. Pas des rubis, s'il vous plaît. Ça c'est fait. Ah, bah voilà. En plus, ça m'a permis de... Saloperie. De trouver un endroit où je peux utiliser le grappin. Bah, ça, c'est cool. C'est bien parce qu'il n'y aura plus de rubis dans le jeu. À part ceux que je peux ramasser. Merci, mais j'ai même pas de canon pour me défendre. Voilà, c'est cool. Saloperie. Où ils sont voraces là? Moi, je suis sûr. Pas louper ma cible. Allez, on y va! On est tombé dans le trou, trou! Oui, le trou, trou! Encore une arène de combat, tiens. Oh, mais je me rappelle pas du tout de ça. Ah, s'il faut, dans la partie d'origine, je suis jamais allé ici. Sachant que je n'ai jamais réussi à avoir les vainqueurs hein, dans les parties que j'ai fait sur Wind Waker d'origine. Voilà. Je m'entraîne, hein, je fais un peu n'importe quoi. Tout va bien. Tout va bien, je vous dis. Tout va très bien. Tout va très bien. Comment on tire en fait? Comment on agrippe pour tirer? Ah mince! Je veux agripper pour tirer, moi! Mais merde, comment on fait déjà? Non! Je trouve plus le bouton! J'ai un trou de mémoire! Je commence à me faire vieux, moi. C'est pas possible, ça, hein? C'est quel bouton déjà pour agripper et tirer? Mince alors! Mince! Ah! Je vais attraper pour tirer, moi! Merde, mais comment on fait pour agripper? Merde! Ouais, j'ai une main bien gonflée, dis donc. Il faut aller voir le médecin parce que là, ça va pas du tout, hein. Mais elle veut pas agripper! Elle veut pas attraper là le carré! Ah, c'est celui-là, d'accord. En fait, je m'étais pas trompé de bouton, mais. Elle voulait pas. C'est comme ça. No comment. Ok, faut trouver la solution. Ah, je m'en rappelle.
pas du tout de cette pièce. C'est incroyable. Incroyable. Qui le crut? Qui le crut? Ça va commencer à être difficile là. Pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça ce qu'il faut faire. On va parler la France correcte. Je crois que là. Ah, j'ai fait exprès, c'est pour rire. Je voulais faire une mort cachée, voilà. Une mort rigolote. Pariez quoi. Oh. Je sais que c'était nul, mais bon. C'est pas grave, on va trouver la solution. Ne vous inquiétez pas. Là, ça c'est fait. Ensuite, comme ça, ou plutôt. Oh, attends, j'ai réussi à pousser l'autre cube. Ah oui. Mince! Attendez que je réfléchisse. Non, non, pas comme ça. J'ai une autre idée. Voilà. Ah bah voilà. Ah mais il y a un coffre invisible même. Oh là là! Le coffre invisible, moi je peux pas. Il va falloir que je pense à revenir ici. Comment on fait là? Là c'est impossible. 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 Eh ben dis donc, c'est tout un truc, hein. Toute une affaire, ça. Ouais. Y a pas un problème quelque part là? Oh là là, mais j'ai l'impression que je peux rien faire. C'est même pas une salle de combat, ça. C'est une pièce où je peux rien faire. Je suis dégoûté, là. Mais non, les gars, mais non. Mais non. Je ne peux rien faire. Oh. Zut, j'aurais dû garder l'escalier. Ah, il faut que je sorte et que je revienne. Ça va être long, cette histoire. Long et dur. Faut que je fasse un escalier pour que je puisse atteindre les autres. Ah, je fasse un escalier. Moi j'ai compris, ne vous inquiétez pas, il ne faut surtout pas que ça tombe. Il ne faut surtout pas que ça tombe, j'ai compris. Ça, faut que je le pousse. Ah bah d'accord, j'ai voulu pousser qu'une seule fois, mais bon. Ok. Ah bah tout simplement, c'est encore plus facile que ce que je pensais, tiens. Et là, il me faut le bouclier miroir pour concentrer la lumière sur le coffre. Très bien. Mais bon. Voilà. On aura compris la solution, hein.
C'était très intéressant, très instructif. Oui, je suis pas si nul dans les jeux d'énigmes. Bon ben, je peux rien faire, je suis deg. Moi qui étais content d'avoir trouvé un secret. Là, on voit bien que j'avais ouvert le coffre à l'époque. En 1912. Bah là, et maintenant on va aller au temple de la terre. La lune est fâchée tout rouge. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Et où tu vas? Où tu vas? Ah, salut les gars! On me serre la pince! C'est pas grave. Est-ce que moi je vais pouvoir faire quelque chose? Ou pas? D'ailleurs, je vais voir si je peux utiliser le marteau même quand je suis dans la fumée empoisonnée qui m'empêche d'utiliser l'épée. Mais le marteau, je sais pas. Rebonjour Madeline. J'espère que tu m'as pas attendu trop longtemps. Ah mais non, je me suis trompé de jeu. Pardon, mes dolly. Je sais plus jouer moi. Ah, mais désolé. Je suis un peu maladroit en ce moment. Waouh. Ouais, tout ça j'avais déjà fait, hein. J'avais déjà activé les deux interrupteurs en haut. Ouais, ça m'a permis d'ouvrir la porte. On s'en souvient. C'était en 1856. Voilà, c'était par là. Ok, donc là on a des pieux qu'on peut enfoncer avec le marteau. Elle. C'est vrai que même on peut se servir d'elle, voilà. Pour ça aussi. Non, je vais juste faire le test. Déjà. Ah oui, non, je ne peux pas utiliser le marteau. C'est interdit par la convention de Geneviève, vous comprenez? Non. Que ça va marcher. Donc là, j'avais ouvert une porte qui était déjà fermée à clé. Ah, je crois, je crains que ça me serve à rien. Pile au moment où j'appuie sur le bouton, en même temps. Sérieux, quoi. En même temps. Mais non, mais Madeline. Bédoli, pardon. C'est pareil. Et tiens, pendant les dents. Voilà. Bien, t'as fait du bon boulot. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Mais pourquoi il se moque de moi? Est-ce que j'ai l'air si ridicule que ça? C'est pas gentil ça. Oh, je n'aime pas ça. Te clouer le bec, moi, je vais t'apprendre à te foutre de moi. Qu'est-ce qui te fait rire? Tiens, je vais clouer le bec, je vais clouer le dentier plutôt. Alors, on va voir par ici. J'aime bien ce donjon, temple de la terre. Ok, ça c'est cool, je vais pouvoir avoir le coffre grâce à elle, ça c'est génial. En plus, je vois qu'il y a un interrupteur là. Oui, je sais, je suis au courant. Madeline.
Ok, c'est pas grave. Ah, je me suis trompé le bouton. Ah, avec ce stick sensible. Allez, s'il te plaît. Tenez-moi quelque chose d'utile, s'il vous plaît. Des bombes. Des bombes, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas à en sert plus. Ah, le bateau fantôme. Ça veut dire que je vais pouvoir entrer dans le bateau fantôme la prochaine fois que je le croiserai. Et je me rappelle à peu près où est-ce qu'il est. Ok. C'est déjà ça. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Bon, malheureusement, je vais devoir te laisser, mes Dolly. J'ai besoin d'un poids sur l'interrupteur. Ah! Ok. Ah, la grosse déception. J'ai même pas atteint la porte où il faut utiliser la clé. Je suis déjà coincé. Mais non, mais j'ai pas envie de faire deux pièces à chaque fois, quoi. Je sais bien que c'est mon choix, mais bon. Il n'y a pas autre chose. Ah, j'ai pas le bouclier miroir. J'ai pas les flèches de lumière. Bon, ben, je peux toujours aller voir le vaisseau fantôme. Là, je sais quoi faire. Ça, c'est cool. Voyons si je tue. Ça fait apparaître quelque chose. Ouais, bon, je pense qu'il y a rien à faire. Hein. Bon, on n'a pas les flèches de lumière ici. Normalement, on les a vraiment tout à la fin du jeu. Donc la solution, c'est pas ça. Et ouais. Ben, je crois qu'il faut le bouclier miroir. Ouais, c'est bien ça. À ce stade-là, je suis obligé d'avoir le bouclier miroir. Donc je peux rien faire. Allez, direction le bateau fantôme. Bon, alors. Ah oui, ça dépend vraiment de la forme de la lune. Il faut qu'il fasse nuit. Déjà, donc on va faire le champ de... Alors la lune, elle est comment? C'est bien, je ne vois rien du tout. Ok, elle est comme ça. Donc, croissant de lune, enfin à moitié. Ah, ça nous montre en plus, c'est bien, c'est précis. Ok. Alors vas-y pour trouver... Ah, mais ça nous dit, ça nous montre directement, là. Cool. Oui, oui, bon, ça y est, j'ai du mal avec les boutons. Je veux, voilà. Très bien, on va pouvoir enfin y aller. Et ne plus passer au travers. C'est nickel. Ah,
Déjà, je tourne pas là où il faut. Allez, tout droit. Heureusement que les nuits dans Wind Waker sont un peu plus longues que dans Ocarina of Time. Et dans Majora's Mask, les nuits sont plus longues également. Voilà, j'ai bien indiqué et tout, ça c'est cool. Je sais plus si c'était aussi bien indiqué dans le jeu d'origine. Ah, il est bien fait. Il est beau ce navire, il est beau. Attention, j'arrive à toute allure. Boum! Ah, les mages. Ce sont des mages. Ils ont réussi à sortir de la pyramide. Oh non! Non, pas eux! Je ne peux rien faire! J'ai pas bouclé miroir, au secours! Je n'ai pas le bouclier miroir! Non! À chaque fois, ça me fait le même truc. Je veux éclairer le mage qui est en face de moi, le sorcier. Je n'y arrive pas. Ça me... Et eux, je vais voir si je peux faire quelque chose. Ça craint. Putain, mais j'avais tiré pourtant. Je crois que... Mais non, mais voyez, je suis en face du mage et ça m'éclaire l'ennemi qui est derrière moi. Non mais allô, la logique, quoi. Oh, il a... Oh, la faim, il a faim, lui. Oh, le vilain. Oh, c'est pas gentil, ça. Où est-ce qu'il est? C'était beau. Où est-ce que tu es maintenant? Hein? Voilà! Ça y est, je vais régler son compte comme ça. Il ne m'embêtera plus. C'est dommage que je sois obligé d'éliminer les autres ennemis. Bon, lui, je peux avec l'épée. Oh, toi, t'arrêtes! Oh! Ça suffit! Je veux pas un Big Mac plutôt, c'est meilleur. Je veux un petit déjeuner. Ah, ça y est, je suis possédé. Possédé du démon. Ah oui, il me faut de la lumière. Pas les flèches de lumière. Bon, il va pas me posséder longtemps. Ah, mais il est parti. Ah, viens. Vas-y, viens me posséder comme ça, tu mourras tout seul. Ce n'est pas grave. Les directions sont inversées quand il me fait ça. C'est pas grave, il s'en va tout seul. Ouais, il me fait pas de mal. C'est nickel, franchement c'est nickel. Ah, je suis content. Hein. J'ai cru que là encore j'étais obligé de sortir pour aller trouver le bouclier miroir, mais ça m'aurait servi à rien parce qu'il n'y a pas de faisceau lumineux. Bon, ce coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, faire durer le suspense. Oh, des rubis qui servent à rien, et des rubis violets et tout, ça aurait été tellement beau, mais... Oh... Je suis maudit. Je suis maudit! J'ai envie de tout arrêter, là. Ouh, j'en peux plus. Ça y est, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai plus d'idées du tout, encore une fois. Oh non, pas les Sasanku, hein, s'il vous plaît. C'est de la torture intersidérale. Bon, mes amis, l'heure est grave. Je me sens obligé de retenter les 500 coups parce que là, j'ai fouillé la map. Je ne trouve rien. J'ai plus que ça comme idée.
Malheureusement. Ça risque d'être long et chiant. Ah, il nous fait le bruit des vagues. Tout va bien. C'est vrai qu'on les entend pas assez. Malheureusement, c'est fini l'été. C'est triste, mais c'est comme ça. Fini les vacances. Malheur de malheur. Oula, attention. Bon, on va essayer d'être prudent. Enfin, je dis bien essayer. Le truc, c'est de rester le plus longtemps possible au milieu. Voilà, et ça commence bien, Pascal. C'était fort bien pour son âge. Et impressionnant. Ah, c'est sûr, faut pas être pressé. Non. Oh non. Bah, et ça va vite, déjà 52. Plus que 448. Allez, courage. J'ai voulu faire le saut arrière pour reculer et l'éviter. Ah, je pensais pas qu'il y avait... Quelle idée quand même, mais quelle idée de devoir faire 500 coups. Et pourquoi pas 10 000 aussi, hein? On s'amuse tellement. Monsieur! Allez, on va se battre encore une fois contre le Papa Noël. Il a beaucoup maigri ces temps-ci, eh oui, il fait chaud, hein. Tu vas bien. Allez, déjà 50, ça va vite. Non, non, non. C'est bon, je m'en vais. Bon, les amis, encore une fois, je n'ai pas réussi à atteindre les 500 coups. Je suis arrivé à peine à 290, un truc comme ça. Voilà, un peu plus de la moitié, mais bon, c'est... Comme je l'ai dit, j'en ai chiant, donc voilà. Donc on va s'arrêter là, et puis pour la prochaine partie, je vais retenter. Je vais peut-être parcourir les anciens, voir si je trouve autre chose, d'autres grottes secrètes. Voilà. Allez, sur ce, partez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao!